Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Louisanne, je suis avec vous pour un beau live du mercredi soir, 20h. On approche du 2 ans. On approche du 2 ans du live du mercredi soir, 20h. On en a fait du chemin ensemble. On en a vu des sujets. Et là, depuis quelques semaines, on fait des soins en EFT et c'est ça qu'on va faire ce soir, encore une fois. Mais avant d'aller là ce soir, je vais vous faire des petits éclaircissements pour moi qui sont importants. Alors là, c'est parti mon kiki, les gens se connectent. Alors je vais faire mes petits coucous à toutes les fois. Je fais mes coucous. Si vous m'écoutez en rediffusion, avancez de 5 minutes si vous êtes tanné de me faire dire allô. Alors de m'entendre dire allô. Donc allô tout le monde. Nathalie est là, Marianne, Marie-Lou, coucou les filles, Doris, Marie-Claude, Lynn, bonsoir, bonsoir Yvan, Marie-Josée aussi est là. Donc et ça continue, Micheline. Alors bonsoir, bonsoir. On est déjà après quelques secondes, plus de 25. C'est parti, mon kiki. On va faire un soin encore extrêmement puissant ce soir. Je suis toujours encore surprise de voir à quel point c'est puissant, comment l'effet du groupe fait toute la différence. C'est pour ça que je continue. J'ai tellement de témoignages à toutes les semaines de me dire, de gens qui viennent me raconter leur histoire suite aux soins de EFT, que je fais, ah, on continue, on continue. Alors, bonsoir, Sylvie, Ginetto, bonsoir, Michel, Julie. OK, là, j'en ai manqué. OK, Chantal et là, coucou, Marcel, Sylvie, José, Sylvie encore, Bousquet, Isabelle, Jana, Jannick Hubert, allô, allô. Solange, Lana est là de, je crois, de l'Europe, hein, ma belle Lana. Isabelle, Valérie qui est là aussi et ça continue de se connecter. Alors là, on approche le 40. Alors, c'est ça. Alors, on continue nos dégagements de groupe. Et savez-vous la réflexion que je me suis faite cette semaine? Je me souviens à une époque, je faisais de la consultation. J'en ai fait pendant plus de 15 ans, 18 ans à temps complet, 4-5 jours semaine. Et à un moment donné, je me disais, mais mon Dieu, que j'aimerais ça faire de l'accompagnement de groupe. Et je me disais, j'ai pas le temps de monter des groupes parce que je fais toujours de la consultation ou de l'enseignement, puis j'étais vraiment pris dans ma roue où j'avais pas de temps supplémentaire pour moi. Et j'ai réalisé et puis là, à un moment donné, mais j'ai arrêté de faire de la consultation pour être capable d'ouvrir et faire autre chose. Mais je ne savais pas ce que j'étais pour faire. Je savais juste qu'il fallait que je ralentisse vers la consultation privée parce que je savais que je devais aller accompagner des groupes. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas le chemin que cela prendrait. Et cette semaine, j'ai pensé à vous autres et je me suis dit, là, t'en fais des soins de groupe. Tu fais des soins de groupe depuis 5, 6 semaines. Il y a plus de 100 quelques personnes qui cliquent des j'aime. J'en ai 130, 140. Et dans les nombres de vues, j'en ai plus de 2000. Donc, il y a du monde qui font du EFT avec nous partout dans la francophonie. J'ai des courriels de la Martinique, de l'île de la Réunion, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, bien évidemment, dans toutes les régions du Québec. Et d'ailleurs, dans les îles Seychelles, en tout cas, j'ai eu quelqu'un je pense que c'est Bora Bora. Écoutez, j'étais bouche bée. Alors là, je me suis dit que c'est extraordinaire, cette vague-là, ces temps, et je fais des soins de groupe. Je fais des soins de groupe à toutes les semaines à un nombre infini de gens que j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir accompagner grâce à la kiné. Et grâce au EFT. Donc, c'était ma prise de conscience de cette semaine que finalement, j'avais réussi à faire mon rêve, à réaliser mon rêve, en sachant même pas que j'étais en train de le faire. En tout cas, c'était pas moi, c'est comme ça, hein. J'avance, je fais un pas, je fais l'autre pas, je fais l'autre pas, et tout à coup, je fais ah, je suis arrivée là, et je suis toujours super contente. Alors, les gens continuent de se connecter. Alors là, il y en a plein que j'ai pas pu saluer, donc je vous salue tous en groupe. Et les dernières, là, Diane, Chantal, Geneviève, Diane. Et bon, alors, il y a Mireille qui est là. Lana, oui, hein, c'est vraiment puissant. Donc, je veux juste vous rappeler aussi en introduction, parce que là, on a des thèmes assez intense, hein? Depuis quelques semaines, là, on n'a pas des petits thèmes, on a des gros thèmes et à
toutes les fois, les gens m'écrivent ou témoignent ici live avec nous sur le groupe, à quel point c'est précis, à quel point c'est puissant, à quel point c'est my God, c'est exactement ma réflexion de cette semaine. C'est exactement mon état de la journée de quelques jours avant. Donc, c'est là qu'on voit que dans l'égrégore des groupes et quand dans l'énergie des grands groupes, ben ça fait le voyage se fait et que quand vous vous réunissez pour venir vous joindre à moi, ben c'est comme vos inconscients travaillent ensemble et me disent voici le dénominateur commun de ton groupe de ce soir. Et de demain et d'après-demain. J'ai des gens qui m'ont écrit cette semaine, qui me disent qu'ils me réécoutent d'il y a 5 semaines et que quand ils tombent sur le live de FT d'il y a 5 semaines, c'est exactement leur thème du moment. Donc, c'est quantique, hein, tout ça. C'est des grandes spirales et tout ça se rencontre et bien, ça fait de la magie. Je vous rappelle qu'une de mes grandes intentions en faisant ces lives de dégagement, ou même en faisant les lives que je fais depuis près de 2 ans, qui sont des lives des fois d'enseignement, de partage de connaissances, de partage de trucs pour aller mieux. On a parlé de l'amplitude de Schumann, on a parlé de différentes affaires hein, en presque 2 ans. Pour les nouveaux, ben vous pouvez aller dans la section vidéo et de la page Louise-Anne Venlandry et vous allez avoir les 50 vidéos et plus. Donc, déjà, c'est extraordinaire. Et sinon, pour les gens qui n'ont pas YouTube et qui sont dans votre environnement, qui n'ont pas Facebook, je suis aussi sur YouTube. Donc, vous pourriez leur référer d'aller sur YouTube. Donc, il y a eu énormément. Et mon but, hein, moi, j'ai un but. Hein, et un but, ben, dans le fond, c'est une intention. Une intention, c'est toujours intéressant à renommer. Et moi, mon intention, c'est de, je l'ai pris en note, hein, quand je me prépare, là, hein, j'arrive pas ça juste comme ça, de même, là, je me prépare quand je viens vous rencontrer. J'avoue que je me prépare pas très longtemps, mais je me prépare. Et mon intention, vraiment, depuis ces lives, c'est de diluer l'emprise de la dualité. Mettre ça plus fluide. Tout ce qui est le bien, le mal, ça se fait pas, celle-là, je l'aime, celui-là, je l'aime pas. Tu sais, aller diluer toute cette emprise-là de la dualité pour installer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de clés, d'attitudes, d'actions, de réactions dans notre vie qui vont nous amener à défaire ces structures-là de la souffrance du mental, de l'ego. C'est ça mon but, défaire les structures, défaire la prison des comportements automatiques, de l'ego qui s'en mêle, c'est ça. Et pour défaire tout ça, ben, il faut défaire nos souffrances. Il faut défaire nos croyances parce que c'est ça notre immense et grande prison. Il faut réaliser à quel point on est des êtres puissants, à quel point on n'a pas besoin de prier un ange, un archange, on n'a pas besoin d'avoir un maître ascensionné qui vient nous guider. Nous sommes infiniment puissants et c'est la seule chose que nous devons nous souvenir. Je dis depuis un bout, je dirais 1 an et demi, 2 ans, je dis on n'a rien à apprendre. On a juste à se souvenir de qui on est. Et c'est là que je veux vous amener. Je veux vous amener à ramener dans qu'est-ce que vous êtes comme infini pouvoir, le ressentir, le vibrer, le réaliser, l'agir, le manifester. Je pense que vous m'avez compris. Voyez-vous, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va et on enlève des couches de la prison, des barbelés. On enlève des couches, on enlève des couches de croyances, on enlève des couches de notre corps de souffrance qui est fait comme une brume, si vous voulez, autour de nous et qui fait qu'on ne voit pas la vie comme on devrait la voir. On l'interprète, on lit les regards des gens, les attitudes des gens d'une façon, des fois, qui n'est pas toujours, toujours, toujours juste. Donc, c'est ça qu'on fait ensemble. Alors, c'est extraordinaire, c'est extrêmement puissant et en plus, on le fait en grand groupe. Et en plus, ben, il y a le mouvement S'élever ensemble qui fait qu'on peut se rencontrer en vrai. Parce que ça, c'est le fun, c'est extraordinaire, c'est magique. On est chez nous, dans notre salon, on branche notre truc, puis paf, on est là. C'est extraordinaire, je fais la vague. Je fais la vague pour tous ces réseaux sociaux extraordinaires. Mais se voir en vrai, c'est pas pareil. C'est
une petite coche de plus. Et c'est pour ça que les journées s'élever ensemble sont là pour se voir en vrai. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas déjà eu la chance d'assister à une journée s'élever ensemble, ben je vous invite à profiter. Là, je vais vous en reparler tantôt, là, mais j'ai fait un bon spécial, un spécial de Noël sur les journées s'élever ensemble. Donc là, vous en avez presque deux pour le prix d'une. Donc, venez jouer avec nous dans notre cours d'école au Québec, dans cette magnifique salle des célébrations. Et ça sera extraordinaire de pouvoir le faire ensemble. Et justement, la prochaine journée, qui est le 9 février, on va s'occuper de tout le volet énergétique. C'est quoi un égrégore? Comment s'en défaire? C'est quoi les formes pensées? Comment les alléger? C'est quoi les cordelettes énergétiques qui nous rattachent aux gens dans notre vie afin de retrouver notre autonomie, notre clarté de vision et de manifestation? C'est là qu'on s'en va. Donc, ça pourrait être un beau cadeau de Noël, Sylvie, exactement. Un beau cadeau de Noël à donner, les deux journées s'élever ensemble, le lien est en haut. Donc, voilà. Là, on va rentrer dans notre thème. C'est le temps de transférer sur vos réseaux. J'oublie tout le temps de le dire, je suis trop enflammée dans mon introduction. Donc, c'est le temps de transférer dans votre réseau et on va justement commencer à trouver notre thème de la soirée. Mais avant d'aller dans le thème de la soirée, je veux juste vous donner comme des petites clés. Hein? Je vous ai dit qu'il y avait des clés pour rentrer dans notre cœur, des clés pour sortir de la dualité, des clés que vous connaissez. Mais je vais prendre le temps de vous les rappeler parce que je trouve des fois que un petit rafraîchissement de mémoire, ça fait pas de tort. Donc, si vous avez un crayon, sortez votre crayon, je vous donne 6 clés. Si vous avez fait cœur conscient, vous allez les reconnaître. Les 6 clés dont je vais parler maintenant, c'est les 6 clés qui vont vous aider à vous accompagner dans les jours qui ont suivi nos dégagements EFT. Ces clés-là vont vous accompagner grandement dans cette période de Noël qui arrive à grands pas et qui est très chargée en mémoire, en programme, en réaction, en émotion, en tout ça. Alors, ça va vous donner. Donc, si vous avez un papier, un crayon, je vous fais ça rapido presto. Je vous parle des 6 clés pour sortir de la dualité. Vous allez les reconnaître. La première, la compassion. Et quand je dis la compassion, ben c'est la compassion envers soi. Parce que la meilleure façon de défaire notre structure de souffrance, c'est d'avoir de la compassion envers soi. Et ensuite, de la compassion envers les autres. Cette compassion-là, c'est la base, c'est notre structure de fond de retourner dans un monde plus d'unité et de fluidité. Alors, la compassion, c'est un incontournable. La compassion, il câline qu'on est lourd, on est proche du non-jugement absolu. Donc, la compassion, c'est la première clé dont je vous parle ce soir. Je vais pas les élaborer très longtemps, je pense que vous les connaissez. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. La première, la compassion. La deuxième, l'humilité. Et là, l'humilité, à chaque fois que j'en parle, les gens qui viennent d'un milieu un peu plus judéo-chrétien se rendent pas loin de la dévalorisation parce que être humble, ce n'est pas s'écraser devant l'autre. Être humble, ce n'est pas se taire à tout prix. Être humble, c'est réaliser où nous sommes sur notre chemin. Et être capable d'entendre des fois les réflexions des autres, d'entendre ce que la vie vient nous dire par la pièce de théâtre qui nous entoure sur où nous sommes rendus. L'humilité, à ce moment-là, est essentielle pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos yeux, pour être capable de se voir et d'être encore plus capable de s'accompagner. Donc, l'humilité, deuxième clé. La troisième, le pardon. Puis là, je vais vous faciliter ça, le pardon au coton. Le pardon, si on change de regard sur la vie, n'a pas lieu d'être parce que tout est un enseignement et tout est une leçon. Et quand on réalise que tout est un enseignement et que tout est une leçon, on arrive à « je n'ai pas besoin de pardonner rien ». Parce que toute expérience fait juste nous donner de l'information.
soit sur l'autre, soit sur nous, soit sur notre dynamique à l'autre ou la dynamique avec la vie. Donc, à ce moment-là, le pardon, ben, on peut venir le classer dans une catégorie dans « tout est un apprentissage ». Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner? Ça, ça peut être une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner? Alors là, à suivre. Hein? C'est sûr que c'est un changement de regard des fois, un peu ça, à suivre. La compréhension. La compréhension est la 1, 2, 3, 4e clé. La compréhension, c'est être capable de comprendre la vie, comprendre les signes de la vie, comprendre qu'est-ce que la vie nous dit. Quand on est capable de rentrer dans un état de compréhension, on est presque automatiquement libéré. Mais pour comprendre, il faut que l'ego ne soit pas là. Il faut que le corps de souffrance ait pris un petit congé ou se soit dilué et qu'on voit de plus en plus clair. Mais la compréhension est un état extrêmement important à venir installer. La compréhension de la vie. Pas la compréhension de comprendre la physique, la chimie. On n'est pas dans de l'académique, là. On est dans la compréhension de la magie de la vie. De à quel point tout est un hologramme et que c'est quantique et que tout n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. L'autre clé, alors nous on est à la 5e clé, la bravoure. Wow, la bravoure, être brave. Être brave, ça veut dire se tenir debout puis avancer. Être brave, ça veut dire être capable de se nommer pour ce qu'on est vraiment. Être brave, c'est être transparent. Ça prend beaucoup de bravoure pour ne pas dire de... Et puis là, on n'est pas loin du courage, mais le courage, c'est une autre tonalité. Mais la bravoure, c'est se tenir debout, c'est se nommer avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'humilité, en connaissant le nouveau principe du pardon. Et en comprenant ce qui est là, voyez-vous comment ces 6 clés travaillent les unes avec les autres? On peut pas en prendre une toute seule. Il faut vraiment les lire les unes avec les autres. Donc, la bravoure d'être qui nous sommes profondément. Ça, c'est un beau défi. La transparence. La vulnérabilité. Ça, c'est être brave. Le top de la bravoure. C'est être vulnérable. Parce que quand on est vulnérable, on ouvre notre cœur. Quand on ouvre notre cœur, on fait aller des immenses courants d'énergie et la vie se met à nous répondre avec énormément de grâce et de perfection. Et ça, ça fait toute la différence. Je mentionnais aujourd'hui à un groupe, avec un groupe de femmes dans lequel je suis depuis près d'un an, je leur mentionnais à quel point... j'étais remplie de gratitude aujourd'hui sur la vie que je me suis créée parce que j'ai été extrêmement brave, parce que j'ai laissé un travail lucratif, parce que j'ai suivi mon cœur, parce que j'ai suivi ma passion, parce que je me suis lancée dans le vide. Moi, je dis toujours à mes étudiants, j'ai sauté en disant 1, 2, 3, je me bouche le nez, je saute. J'ai été brave, je ne le suis pas tout le temps. Oh non, je ne le suis pas tout le temps. J'ai des facettes de ma vie où je le suis plus que d'autres. Mais au niveau du travail, je suis assez brave. Et cette bravoure-là a été extrêmement payante. Alors, je vous invite à la bravoure. Et la 6e clé, et non la moindre, le courage. Le courage vient avec le mot « cœur ». C'est le cœur en mouvement. Le courage, c'est suivre son cœur et avancer. Voyez-vous comment que le courage va avec la bravoure? Quand on a le courage, c'est beaucoup plus facile d'être brave. Et quand on a le courage, on a plus de compréhension face à la vie parce que notre cœur est en action et notre cœur avance et on a plus de compassion et on a plus d'humilité. Alors, voyez-vous comment ce sont des clés magnifiques et incontournable. C'est vraiment de base. Alors, ouais, c'est ça, Jennifer. Bravoure, pas au lieu, avec. Hein? Bravoure et courage, en équipe, ensemble. Donc, je vous les répète rapidement pour les gens qui viennent d'arriver puis qui ont fait « Oh mon Dieu, j'en ai manqué! » Alors, je vous les répète rapidement, puis vous pourrez réécouter hein, le live. Dites-vous que ça, c'est toujours possible. Donc, les clés. La compassion, l'humilité, le pardon, la compréhension, la bravoure et le courage. C'est, je crois,
ma quatrième marche de cœur conscient, de venir travailler avec ces vertus. Hein? On peut appeler ça des vertus, dans le sens pas judéo-chrétien de vertu, ni religieux, mais plutôt dans le sens vérité de vertu. Donc, vous pouvez travailler avec ces 6 clés-là. Moi, le conseil que je vous donne, c'est vous pouvez les écrire, chacune sur un petit papier. Et le matin, vous pigez votre petit papier de la journée. Puis là, vous voyez quelle est votre clé de la journée, quel est votre apprentissage de la journée, quel est le focus que vous devez mettre aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, je mets le focus sur compassion ou est-ce qu'aujourd'hui, je mets le focus sur humilité? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je mets le focus sur pardon ou sur la bravoure ou sur le courage qui est le cœur en action? Et là, vous allez pouvoir voir où vous voulez venir vous installer ou qu'est-ce qui est le plus puissant ou présent. Alors là, j'ai des gens qui me posent encore des questions et je veux pas trop les répéter, ces clés-là. Donc, s'il y en a qui les ont bien pris en note, vous pouvez, s'il vous plaît, les écrire dans le fil de commentaires. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu les écrire vont être capables de les prendre en note. Alors, alors pour les filles, là, Nathalie, Sylvie, Carmen, qui ont des questions, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui a pris en note les 6 clés, compassion, je les dis vite là, compassion, humilité, pardon, compréhension, bravoure et courage, venez les écrire, s'il vous plaît, et prenez-les en note. Voilà, c'était mon introduction. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? La semaine dernière, nous étions dans des états d'étourdissement, de vertige, des états de fatigue, toutes sortes d'états, et on était arrivé avec la donnée commune à dégager qui était peur de ne pas y arriver. Vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là. Et ça avait énormément, énormément parlé. Donc, peur de ne pas y arriver la semaine passée. Présentement, où est-ce que vous en êtes? Comment va votre corps? Comment va votre tête? Comment va votre cœur? Comment va votre vie? Venez me donner des petites clés et je vais, après ça, aller tester le meilleur thème de dégagement pour tout le monde ce soir. Alors là, j'ai Louise qui me dit « fatiguée encore ». Bon, alors là, vous êtes encore dans les petites clés, c'est parfait, je vous laisse partager les clés. Là, il y a Manon Demers qui les a partagées, puis il y a Katia Tessier qui les a partagées. Il y a Bibi aussi qui les a partagées. Donc, Claudine, toi, tu vis du lâcher-prise. Nathalie me dit qu'elle est encore fatiguée. OK, Diane les a écrit aussi, les clés. Alors, merci beaucoup, les filles. Merci, merci. Marcel va mieux. Tête un peu cotonneuse, me dit Marie-Josée Picotte. Diane, la fatigue est très présente. Marie-Claude, elle va très bien, Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, peut-être tu vas être notre pôle positif pour cette semaine. Caroline, bon, Caroline, où ça va mieux? Qui me dit ça va trop vite? Monique me dit ça va trop vite. Oui, le temps, vas-tu vite, mes amis? Je prends une gorgée. Douleur dans la région du cœur. Alors, je vais commencer à prendre des notes parce qu'après ça, je vais tester. Fatigue. Je vais écrire vitesse. Myriam a dit beaucoup de gratitude, joie et renouveau. Bravo, Myriam. Heureuse pour toi. Je vais écrire douleur cœur au cas que ça repasserait. Alors, je fais mon sondage. Chantal, ton corps te parle. Manon, grande contraction. Sommeil difficile. Fatigue et lourdeur. Colère, honte, patience. Colère. Je vais écrire colère. Parce que j'ai vu, j'ai rencontré et j'ai entendu parler de beaucoup de conflits dernièrement. Beaucoup de conflits de gens qui avaient la mèche courte. Alors, dites-moi donc si ça vous parle rapidement. Conflit, la mèche courte, genre ménage, relationnel. Est-ce que ça vous parle? Bibi me dit écrasement, découragement. Je vais l'écrire, Bibi, au cas que ça revienne. Blessure au poignet, de tristesse, fatigue. Tristesse, je prends note, Maryse. Manon est comme dans un rêve éveillé. Hein? Si ça vous parle, là, revenez faire du pouce. Jennifer, je vais mieux, je me sens encore dans l'impression de peur d'y arriver.
Alors, tu peux continuer hein, sur ce thème, Jennifer, si ça te parle encore. Stéphanie me dit fatiguée, malade, intestin en compote, déprime. L'autre chose que j'ai entendu parler beaucoup, c'est système digestif. Alors, c'est ça. Victimite aiguë, colère. Bon, mais alors, c'est ça, hein? OK, alors, colère revient. Beaucoup de douleurs, dit Ginetto. La vie est bonne, Nathalie, tant mieux. Mon corps va mieux. Douleur des muscles. Très douloureux. Les muscles. Marianne, Marie-Lou aussi, tu te sens hors temps, hein? Comme notre amie Manon en haut disait la même chose. Bon, Pascal, tu dis tellement, mais tu dis tellement à quoi, je ne sais pas. Parce que dites-vous que je lis tout le temps vos commentaires hypersensibles, dualité au bureau, frustration, fatigué, tristesse, terrain instable, cœur palpitant, découragement, OK, Pascal, instabilité, plein d'espoir en même temps. Oui, toi qui allais si bien la semaine dernière, c'est parfait, c'est normal. Expansion, contraction. Alors, découragement, OK, irritabilité, fatigué, mèche courte. Oh, wow, OK, hey, ça brasse, hein? Bon, système digestif, ouais, digestion, intestin. OK, je vais tester. J'ai pris des notes, là. Je vais tester. Alors, je teste en kiné, je teste. Hey, c'est un test musculaire, ce n'est pas de la magie. Ça ressemble à de la magie, mais ça n'en est pas. C'est un test musculaire, je vais tester. Si j'ai eu toutes les informations, si je les ai pris en note, toutes celles que j'avais besoin. Ça teste que oui. J'ai ce que j'ai besoin à combien sur 10? 10 sur 10. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, j'ai 7 thèmes que j'ai comme un peu pris d'un côté à l'autre. OK, André Rebiard me dit mèche courte lui aussi. Je vais le mettre dans colère, OK? Mèche courte, là, puis... OK, je le mets. Mèche courte. J'aime ces mots qui sont très imagés. Donc, on y va, on teste. OK, alors je vais vraiment me mettre en lien avec l'inconscient de tout le monde qui est là présentement en ligne et qui participe à notre soin de groupe. Je me mets aussi en lien avec tous les gens qui vont écouter ce live dans un temps infini, de demain matin à toujours. Alors, et je vais aller demander quel est le meilleur thème de dégagement pour nous ce soir. C'est parti, mon kiki. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalement, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 thèmes. 8, c'est l'infini. Alors, on vient d'ouvrir une porte dans toutes. Alors, très bien. Alors, le meilleur thème pour tout le monde qui est ici ce soir est le suivant. OK. OK. Il y en a un qui vient de tester tout de suite en partant. Je continue. Et il y en a un deuxième. Souvent, ça arrive en kiné. Il y en a deux, mais je n'ai pas testé c'est pertinent à combien sur 10. Donc, il y en a un, c'est « Tout va trop vite ». Ça, ça teste pour ce soir. Et tous les problèmes de digestion testent pour ce soir. Alors, digestion, là, c'est de la bouche. Hein? C'est tout au long. Alors, vite ou problème de digestion. Alors, tout va trop vite. Je n'ai pas le temps. Les journées sont wouh! Alors, vite. Et le bon thème pour tout le monde qui est ici présent ce soir, dégager la source de vite, c'est ça à 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. Intestin, digestion, estomac, alouette, le foie, la vésicule biliaire, tout ce qui s'appelle digestion. Et ça, teste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. On s'en va dans digestion. Mais, je vais essayer de demander au test de kiné si la digestion peut être impactée par le fait que tout va vite. On ne sait jamais. Souvent, en kiné, quand j'avais des clients, puis même encore quand je fais encore des soins, hein, à des amis, à des gens qui sont proches, à mes étudiants en classe, et souvent, quand il y a un thème qui teste, puis qu'il y en a un deuxième, des fois, ils ont un lien, ils ont un dénominateur, ils ont comme
un truc comme ça, ça s'appelle le diagramme de Venn. Hein, le diagramme de Venn, c'est la zone commune de deux cercles. Alors, on va demander s'il y a un diagramme de Venn entre vite-vite et intestin. Ça teste que oui. Il y a un lien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Colin de Bin. Oui, Louise, avoir la mèche courte, c'est se fâcher. Je vais tenter de répondre à quelqu'un. Pascal, comment ça peut tomber sur si précis? J'ai la mâchoire à terre. C'est la kiné, c'est la magie de la kiné. Alors, c'est ça, on va faire le « tout va trop vite » et ça ne m'aide pas à digérer. Oui, ça me parle, tout va trop vite, réagir rapidement, fortement, être impatient, tout va trop vite et les conséquences de « tout va trop vite » qui impactent notre système digestif. Pouvez-vous croire ça? Moi, je suis toujours tellement contente d'être heureuse de voir ce type de lien-là que je n'aurais pas fait comme ça. Mais voyez-vous, c'est normal. Pour faire un transit digestif, ça prend un certain temps. Pour faire un transit digestif, il faut installer quand même du calme, il faut installer un rythme de vie qui est fluide, qui est pas trop stressant. Hein? Il y a quand même un lien entre la digestion et le stress. Et là, bang, on fait le lien que tout va trop vite, impacte notre digestion. C'est-à-dire que on mange, on continue. On mange. Alors, combien de gens mangent en faisant d'autres choses, ne prennent pas le temps de s'arrêter et ne prennent pas le temps juste de le faire en toute conscience? Et ça peut faire la différence. Alors, on va faire ça ce soir. Alors, c'est extraordinaire. Donc, on va faire « tout va trop vite » et cela impacte mon système digestif. Mais l'emphase est plus sur le système digestif. Je rentre dans mon cartable de kiné et je vais aller demander. Ça, c'est ce qu'on a ici en conscience. On conscientise tout que tout va trop vite. Et pour la plupart, en tout cas, je ne sais pas que ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes digestifs, bien évidemment, mais peut-être que vous en avez et que vous ne le savez pas. Même si c'est des petits bébés propres, tu sais, genre, pas assez d'enzymes, pas assez de probiotiques, peu importe. Vous savez que notre intestin est notre deuxième cerveau et que nos émotions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles à gérer quand notre intestin va bien. Je vous dis ça en passant. Alors, on s'en va dans quelles sont les causes inconscientes de « tout va trop vite » qui amènent des problèmes au niveau digestif. Donc, je m'en vais dans le cartable de kiné, on va aller chercher la donnée inconsciente qui est en lien avec le plus grand nombre de personnes en ligne présentement. Alors, on y va, un, deux, oui. C'est une émotion. Je m'en vais toujours dans ma banque de données. Hein, je vous le montre. Hein, pour les gens qui sont là pour la première fois, c'est un cartable que j'ai monté dans les 15-18 dernières années. Et il y a plein de données, des données. Dans les émotions, par exemple, il y en a plus de 700. C'est là-dedans qu'on s'en va. Alors, quelle est l'émotion qui est en arrière de « tout va trop vite » avec problème de digestion? Alors, on y va. 1, 2, oui. On s'en va vraiment dans ma grande banque de la page 1 à 27. Est-ce que c'est dans la page 1 à 10? C'est dans la page 10 à 20. 10, 11, 12, 13, 14. On s'en va à la page 14. Quand mon doigt descend, l'inconscient dit, c'est là que tu t'en vas, ma chérie. Dans la page 14, j'ai deux colonnes. Est-ce que je m'en vais dans la colonne de gauche? Oui. On s'en va dans la colonne de gauche. J'ai quatre blocs. 1, 2, 1, 2. On s'en va dans le deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, on a 11 à 20. On est dans les émotions 1011 à 1020. Alors, je vais aller voir précisément de 1011 à 1020 quelle est celle qu'on est venu dégager ensemble. Hey, mon doigt a fait un genre de... Alors, je vais juste me ressentir, Eva, oui. J'en reviens pas. Là, je vous le jure, là, je vais vous le montrer. Je ne le savais pas qu'il y avait ça à la page 14 parce que là, je le sais. Là, il y en a qui leur mental va faire « Oh my God, that's too much for me ». OK. Alors, l'émotion 1014, là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. 1014, attendez, je vais essayer de... 1014, manger égale émotion. C'est là qu'on s'en va. 1014. Manger égale émotion. Donc, on va aller voir manger égale quoi? Manger égale... Moi,
Manger égale. OK, on y va. On s'en va dans, oui, 10, 20, 30, dans les pages 20 à 30. 21. 21. Oui, on s'en va à la page 21. Mon doigt descend à 21. 21. Manger égale quoi? On s'en va toujours dans la colonne de gauche. OK. 2, 3. OK. Manger. Êtes-vous prêt? Prêt, pas prêt? Manger égale s'enfuir. C'est ce qu'on va dégager ce soir. Même si je mange pour m'enfuir. Même, alors, s'enfuir de quoi? Voilà la question. Manger égale s'enfuir. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans manger égale une compensation en lien avec le temps va vite, vite, vite. C'est-à-dire que quand je mange, je me remplis de quelque chose, puis en le faisant, je m'enfuis de quoi? Alors, venez jouer avec moi et venez me dire qu'est-ce qui vous vient? De quoi pensez-vous vous enfuir en mangeant? Alors là, c'est ça la beauté et la magie de la kiné, c'est on frappe des données qu'on n'a pas vu venir. Écoutez, moi en ouvrant mon ordi ce soir et en vous disant bonsoir la belle gang, je ne croyais pas qu'on s'en irait dans manger égale s'enfuir. Donc j'attends vos commentaires. Nathalie me dit compulsion. Jana Janik me dit, moi, j'ai plus d'appétit dans le sens, Jana Janik, que t'en as plus. Nathalie, compulsion face à la solitude. Myriam, sentiment de ne pas me sentir assez. OK, ça me parle, dit Chantal. Mais oui, c'est ça. Oh, me dit Lana. OK, je continue de vouloir fuir d'être moi-même. Complètement dans le mille, ma réalité, me dit Claudine. On continue, la solitude, fuir le temps. OK, je vais prendre des notes, là. Donc, est-ce qu'on fuit le temps? Est-ce qu'on fuit la solitude? Est-ce qu'on fuit ne pas être assez? OK, là, ça rentre. Les turpitudes de la vie, me dit Micheline. Oui, quel beau mot. J'adore les mots comme ça. Je saisis le temps, dit Mireille. Mirella, OK. Ce qui me vient, c'est je saisis le temps. OK, comme si tu arrêtes le temps en mangeant, ça doit être ça que tu veux dire. Le stress, le sentiment de vide se remplir. Isabelle, Manon, de la souffrance. Peur de l'avenir. Je vais écrire souffrance. Je vais le tester après. Peur de l'avenir. Colère, me dit Jacinthe. Manger pour avoir de l'énergie, pour être capable de rouler à cette vitesse. Ouais, ça pourrait être ça, Monique. Réalité. M'enfuir de mon corps. OK, je vais les tester au fur et à mesure. Fuir le moment présent. Sonia dit, il y a quelque chose en... Ça teste. Fuir le moment présent. Il y a quelque chose qui teste dans s'enfuir. S'enfuir du moment présent. Comme si manger nous déconnecte. De l'ennui, les responsabilités, réconforte. Hey, fuir la vitesse du temps, dit Gisèle Legault. Et ça teste aussi. Fuir vitesse du temps. Alors, les deux trucs qui ont rapport au temps testent. Ennui ne teste pas. Sophie, non, juste pour me nourrir, ne teste pas. Je teste là, vraiment avec mes doigts. Je suis sur une diétrite. Non, pas manque de joie. Fuir le manque, remplir ce temps de plaisir partagé. Non. Solitude. Jana, tu manges pas assez. OK. Fuir la confrontation. Attendez, là, je... Vide. Ennui, c'est ça. Combler le temps. OK. Remplir le manque. Non, c'est pas pour s'enfuir. Pas de ta responsabilité personnelle, en tout cas, Maryse, là, je teste tout le monde. Là. Fuir la réalité, c'est comme si manger, c'est une fuite de la réalité. Ça veut dire qu'on n'est vraiment pas là, là. Si manger égale fuir la réalité, Colin Debin. Oui, tu vois, Talina, manger pour fuir ses responsabilités aussi, test. OK, ben manger, là,
égale fuir le moment le présent. Fuir le moment présent. Comme si manger est une fuite plutôt qu'un mouvement de nourriture. Comme si manger est vraiment une façon de se déconnecter de cette immense vitesse dans laquelle on est, mais on le fait comme pas pour... comment je vais vous dire ça? C'est comme si on le fait pas dans un mode vraiment de conscience, de pleine conscience guérissant. C'est comme si on le fait dans un mode automatisé, comme si notre cerveau reptilien nous faisait manger comme pour qu'on ait le sentiment de s'arrêter, mais qu'on le fait pas réellement. On est plus dans le sentiment de s'arrêter que de le faire réellement. Et ça, ça teste à 1, 2, 3, 4. Non, pas tout à fait ça. Alors, voyez-vous la kiné, comment c'est le fun? Alors, manger égale s'enfuir. Fuir le moment présent. 1, 2, 3, 4, 5. Fuir la vitesse du temps. 2, 3, 4, 5. C'est fuir la vitesse du temps. Alors, manger égale fuir la vitesse du temps. Et ça impacte notre système digestif. Donc, on va faire du EFT là-dessus ce soir. Lisette me dit défoulement. OK, je vous lis. Lana, pour oublier. Ben oui, oublier que tout est comme pouf, presque chaotique. Fuir le moment présent, cela me parle. Moi, je mange trop pour me sentir moins triste. Oui, c'est une fuite, Andréane. Mais disons, essaye de le voir, Andréa, de le voir sur un autre angle aujourd'hui, puis de vraiment juste s'installer dans fuir la vitesse du temps, comme si on n'en peut plus de vivre à cette vitesse de fou. Et que dans notre lien à la nourriture, ça a un impact direct. Alors, êtes-vous prêt? Prêt, pas prêt. Alors, essayez de voir et de conscientiser votre mode. Pas ce que vous mangez. C'est pas ce que vous mangez ici qui est le thème, c'est comment vous mangez. Pas combien vous mangez, comment vous mangez. Mangez-vous en regardant la télé, mangez-vous en regardant les réseaux sociaux, mangez-vous en discutant de tout et de rien à bâton rompu, en ne prenant pas conscience que vous êtes en train de manger. C'est comme si manger en non-conscience, attendez, là, j'essaie juste de faire des liens, là, puis je vais le tester après. Comme si manger en non-conscience ne nous permettait pas justement d'arrêter le temps qu'on mange. On va le tester. Est-ce que c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manger dans un état de non-conscience ne nous permet pas d'arrêter le temps pendant qu'on mange. C'est ça qui est ça. alors, on y va? Chantal, tu trouves ça intense ce soir? Étais-tu là les autres soirs? Moi, je trouve que c'est pas plus intense ce soir que les autres, mais c'est très précis. C'est très, très, très précis. Manger n'est pas une perte de temps. Manger, c'est notre parenthèse. Moi, savez-vous ce que je fais depuis plusieurs mois? Je vis seule. Ma fille est là des fois mon fils aussi, puis mais sinon en principe je mange tout seul depuis comme un bout, et j'avais comme un peu perdu genre l'intérêt à la nourriture, pas dans le sens que j'avais pas faim, mais là je faisais ça vite, et je me suis inscrite au marché Good Food au Québec. Il y a plein de polémiques là-dessus sur toutes sortes de raisons, mais je dois vous dire que je mange extrêmement bien, et que je prends le temps de me faire à manger, ce que je ne faisais plus, et que ça fait la différence. C'est vraiment, vraiment, puis il y a plein de façons, là, vous pouvez, il y a plein de façons. Moi, je dis good food parce que c'était ma façon à moi, je suis vraiment occupée, ma boîte arrive, mon épicerie est faite, mes recettes sont décidées, c'est de très, très, très bonne qualité, je suis contente d'être heureuse, donc je mange ça. Mais sinon, ça sera à vous de voir comment vous allez être capable d'arrêter ce temps pour être capable de manger. Nathalie, t'es pas sûre de comprendre ce que veut dire ma phrase? Je vais te la répéter. Je vais essayer de la répéter. Ça, c'est moi, là, je dis des phrases après ça. C'est comme si on ne prend pas le temps en mangeant d'arrêter le temps et de se vraiment déposer pour manger.
C'est comme si on mange en faisant autre chose, comme si on mange dans la non-conscience. C'est comme si on mange dans le vite, 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 même si on s'assoit. C'est comme si, disons que vous êtes en famille, en couple, vous vous asseyez avec votre chum ou avec votre famille, mais vous mangez en jasant à bâton rompu de toutes sortes d'affaires et vous réalisez même pas que vous avez mangé. On parle de conscience dans le rituel de s'alimenter. Et c'est ça qui vient impacter notre système digestif présentement. Alors, Jacinthe, fais comme moi. Fais-toi venir quelque chose ou trouve-toi quelque chose qui va te stimuler à faire, oui, prendre le temps de manger avec notre conscience, Sophie. Exactement. Et c'est ça, Christine. Manger dans un état de non-conscience ne me permet pas d'arrêter le temps pendant... Exactement. Alors, vous avez compris. Vous avez compris. Je pensais que manger en famille, c'est un moment pour se connecter. Non, oui, se connecter. On peut pas besoin de manger comme des moines dans un monastère en silence, mais de prendre le temps pendant qu'on mange, de réaliser qu'on mange. Moi, combien de fois je suis allée dans des soupers de gang, de famille, d'amis. On avait cuisiné toute la journée. Puis une demi-heure après, il n'y avait plus rien dans notre assiette. Puis honnêtement, on ne savait même pas trop qu'est-ce que ça avait goûté. Parce qu'on avait parlé, on avait ri, on avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a le juste milieu. Hein? Le juste milieu. J'adore le juste milieu. Exactement, en Ayurveda, Claudine, c'est une des grandes, grandes clés. Manger est rendu une perte de temps rapidement, sans conscience. Oui, tu sais, le fast-food, c'est de là que ça vient, le fast-food. Alors, oui, remplir le vide par du fast-food. Je crois qu'on a compris notre thème de ce soir. Hey, on a pris 45 minutes ce soir. On n'a pas commencé encore, d'habitude, on finit à ce moment-ci. On va le faire pareil. Mais je pense que ce soir, on a besoin de faire du EFT. Mais je crois que ce soir, on avait besoin de faire une prise de conscience. Et je crois que la prise de conscience, d'après les commentaires que je lis, a fait son chemin. Hein? La prise, c'est comme si on a une bulle qui est montée et qui a fait « wow ». Une des bonnes façons d'arrêter le temps, ou de moins de faire « ouf », c'est de vraiment prendre le temps de s'alimenter en conscience, de préparer nos aliments, de les manger en conscience et de le vivre de cette façon-là. Bibi, c'est cute. Bibi, elle nomme les aliments, elle en les mangeant. Carottes, patates. C'est un style. Tout est bon. Oui, c'est ça, prendre le temps. Oui, c'est ça, Marianne. Marie-Lou, on avait besoin de prendre le temps afin de faire notre lien et d'amener en conscience. Alors, on va venir voir présentement si on fait du EFT, si c'est même nécessaire, parce que peut-être que la prise de conscience est suffisante pour ce soir. Alors, on va aller voir. Alors, je vais tester. Alors, très bien. Alors, au point où on en est, dans ce qu'on a fait comme prise de conscience par rapport à l'alimentation, par rapport au temps, est-ce que c'est pertinent et juste de faire du EFT? No! Ça teste que non, qu'il n'y a pas de EFT à faire ce soir, que ce soir, on a pris la kiné pour venir nommer quelque chose. Et que là, ce qu'il va falloir faire, c'est installer de la conscience dans nos repas pour ralentir le temps et faire en sorte que, waouh, ça va nous faire une vraie belle parenthèse dans cette course folle et que, en plus, notre système digestif va aller mieux. Pascal, tu sentais que non aussi, hein? Lynn, ce qui me fait prendre conscience que je dois prendre le temps de vivre en conscience, pas juste manger. Exactement. Ah oui, gratitude pour la nourriture. Hein? De là, hein, tous ces rituels-là que les anciens avaient de rendre grâce, de se déposer, de remercier pour ce qui était là. Mais il faut prendre le temps ensuite de vivre. Hein? Oui, on est fort. On est hot. On a fait des liens et on a fait un chemin extraordinaire ensemble ce soir. Micheline, tu peux manger que si tu es zen. Ben écoute, tant mieux. C'est-à-dire que ton corps t'a donné la clé, toi, avant même de faire une prise de conscience. Natacha dit, on peut visualiser la couleur de l'aliment en lien avec les chakras pour nourrir. Ben oui, quelle belle idée, Natacha.
Quelle belle idée de venir emmener encore plus de conscience dans notre alimentation en travaillant avec les couleurs. Venir travailler avec les couleurs en lien avec les chakras. Je trouve que c'est une super bonne idée. Prendre le temps de savourer. Ouais, alors, c'est extraordinaire. On a fait un chemin hors chemin ce soir. Je trouve que les chemins hors chemin sont les meilleurs chemins parce que c'est les chemins qui, justement, dansent avec le moment présent, sont avec ce qui est là, tout simplement. Et ce soir, on est allé dans ce qui était là, tout simplement. On a quand même fait notre sondage, on a quand même vu tous nos symptômes et on a fait un lien important. Important sur comment arrêter le temps par nos rituels d'alimentation et ensuite le faire en pleine conscience, le faire afin d'accompagner notre corps à intégrer ces aliments afin qu'ils soient soutenus et qu'ils puissent faire face à cette grande vitesse de tous les jours qui est hallucinante, presque folle très 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 souvent. Alors, voilà, ben, écoutez, merci, merci, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois pour une belle soirée du mercredi soir. Je vous rappelle mon invitation de cadeau de Noël. Si vous voulez donner les journées s'élever ensemble en cadeau de Noël, si vous voulez vous les donner en cadeau de Noël, savez-vous que pour 207 $, vous avez accès à 20 heures d'accompagnement. 20 heures. Chaque journée est 10 heures. Donc, pour 207, c'est 103,50 pour 10 heures d'accompagnement. C'est des journées extrêmement puissantes, extrêmement libératrices. Ce qu'on vit là, c'est une petite parenthèse dans ce qui se fait dans ces journées-là. Donc, si vous êtes du Québec, si vous avez l'élan de prendre ce saut, de plonger à votre rencontre, venez jouer avec nous dans les journées S'élever ensemble. Il en reste deux pour la prochaine année, le 9 février et le 11 mai. Alors, c'est pas des dates rapprochées, c'est juste une journée. On a des soins de bol de cristal le soir qui travaillent sur nos champs vibratoires. C'est extraordinaire. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle semaine. Et on viendra la semaine prochaine faire un petit retour sur comment s'est passé vos repas, comment s'est passé votre lien à la nourriture dans la prochaine semaine et quel genre de changement vous avez pu voir dans votre lien au temps et dans comment allait votre système digestif. Tripatif, extraordinaire. Merci à tous. Merci à tous. Alors, belle soirée tout le monde. Bye bye. Moi, je vais aller souper en conscience, en me rendant le plus zen possible. Donc, on se retrouve pour un prochain live mercredi soir prochain. Alors, bye bye tout le monde. Belle soirée. Belle journée pour ceux de l'Europe. Bye.